Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une page de scrap. Alors, une page qui est un peu buggée. Je l'ai faite avant de partir en vacances, donc fin juin, dans ma période à fond scrap, où je faisais du scrap tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que j'avais un petit peu de temps. Et donc voilà. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai perdu à mon avis. Enfin non, je sais que mon appareil photo n'a pas filmé tout un moment. Donc voilà, la page est vraiment très très courte, mais je voulais quand même vous montrer le rendu un petit peu de ce que c'est. Donc c'est une page sur Pocahontas. L'idée était de rester sur une couleur assez... assez indienne, je sais pas si ça se dit, mais voilà, donc dans les tons un peu beige. Donc voilà, ici si j'ai fait une découpe, donc là vous voyez le fond avec les feuilles, ça a été fait en découpe avec la silhouette, et donc là j'essaie de faire une espèce de natte sur le côté. Donc je les ai fait une partie que je vous ai montré, que j'ai filmé, et puis tout le reste je l'ai fait dehors parce que c'est encore le moment où j'allais souvent encore dehors. Et voilà, et donc là j'avais découpé une petite Pocahontas aussi en 3D. Que j'ai collé en 3D. Et voilà. Alors pour le titre, vous m'avez vu au départ utiliser le pochoir de ce que j'avais coupé pour écrire Pocahontas, mais alors avec de la peinture blanche. Et puis alors là, je colle le mot que j'avais coupé qui est en rouge. Comme ça, ça faisait un effet un peu spécifique. Et j'aime vraiment bien cette idée. Ce sera à refaire dans d'autres pages parce que je trouve que ça donne vraiment bien. Peut-être pas forcément en blanc, mais dans d'autres couleurs. Donc voilà. Alors pour la petite histoire, c'est une photo que j'ai réalisée avec ma fille quand elle est tombée dans les escaliers. Donc voilà, juste après ça, j'ai décidé de lui remontrer Pocahontas pour qu'elle l'oublie un petit peu. Et donc voilà. Ici j'ai mis un petit colibri pour rappeler, parce que je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose là au-dessus, donc pour rappeler un peu l'idée de Pocahontas. Je vous montre la page de de près, et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire ce que vous pensez de cette page-ci, à commenter, enfin aller me voir sur Facebook, sur Instagram pour pouvoir suivre mes différentes créations, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.